Waouh. J'analyse votre regard. Pas plus rock que toi, je crois, là. On là, est dans le hard rock. Vous, vous êtes là depuis un petit moment, vous avez déjà eu ça? Non. Dans le métal, non. Non. Personne. Ouais. Quel âge tu as? 11 ans et demi. La guitare comme ça, l'attitude et tout. Franchement, c'est moi mon univers, c'est peut-être pour ça que je ne me suis pas tourné, mais c'est parce que je ne sais pas comment j'allais te travailler, t'amener loin, mais on était super contents d'être là, de vivre ce moment, je pense qu'on est tous d'accord. Et là, j'ai senti l'énergie, le petit dans 11 ans, énergie. Le métal, carrément. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas retourné que tu n'as pas de talent, mon jeune gars. Et quel culot d'arriver avec sa guitare, d'y aller sur du métal, quoi, carrément. Tu m'as fait peur. Quand tu as envoyé le riff de guitare, tu sais quoi, j'avais l'impression que déjà tu étais en tournée, en fait. Ouais. Parce que j'imaginais les musiciens, il y en a quelques-uns avec qui on travaille et qu'on connaît très bien. Bon, t'as les meilleurs de France, mais je pense que vous devriez partir en tournée aussi avec. Je pense que c'est le métal. Je pense que c'est le métal qui leur a fait peur. Mais bon, lui, c'est éclaté. T'es le digne héritier des Slipknot et de Marilyn Manson. Ouais, ou de Rammstein. Je pense que s'ils t'écoutaient, les mecs, ils te prendraient sur leur première partie. À l'aise, tu déchires. Préciser qu'il a 11 ans quand même. T'as 11 ans et demi, t'es prêt. Mais t'as un groupe? T'as un groupe? Non. Mais il faut que tu trouves un groupe, c'est la prochaine étape. Mais tu sais quoi? Je peux te dire que ça va toquer à ta porte pour te dire, hé, tu viens en tournée, on s'en va. Dès que les billets sont en vente, tu nous préviens, hein, qu'on vienne te voir. T'es prêt à partir comme une bombe atomique. Gentil, salut, grand garçon. T'es un bonhomme. Bravo. Et t'es hors norme. Continue. Bravo. T'as une maîtrise incroyable. La guitare, la voix, tu dis ça, c'est trop important. Merci. On accompagne. Bien sûr. Un tonnerre d'applaudissements pour les musiciens. Ah, les musiciens. Tonnerre. Les fauteuils ne se sont pas retournés, mais Gaëtan a enflammé le studio et bluffé les coachs dans un registre musical audacieux. Mais d'où il sort cette voix, les enfants de cet âge-là? Mais comment ils font, quoi? Je fais ça, je vais à l'hôpital mais direct. C'est archi dur. C'est hyper dur à faire. Félicitations. Super, je me suis éclatée, c'est trop bien. Il a eu du courage de faire ça justement, de montrer cette musique-là. Donc il savait pertinemment que ça pouvait ne pas plaire, mais il a fait. Donc c'était cool. On est fiers de toi, super. Il a l'air d'être un puriste un peu, t'as vu comment il tient? Ouais, non, moi je pense que le mec, c'est... Très bon musicien. Vous savez comment il joue? Surprenant. Bienvenue dans The Voice Kids, les gens. Enfin, je parle pour moi parce que c'est moi les gens qui viennent d'arriver.